Paris Saint-Germain-Nancy avec un premier but marqué par Cassini pour Nancy. Les Parisiens réagissent et obtiennent l'égalisation sur cette action. Fernandez pour Tanasi sur la droite, un joli centre pour une reprise de la tête de Dominique Rocheteau. 7 minutes plus tard, les Parisiens doublent la mise avec un autre Olympique, Jean-Claude Lemou, qui a regardé Jordao à la télévision. Regardez comment il fête son but. 2-1, tout va bien alors pour le Paris Saint-Germain. Mais en deuxième mi-temps, cela va beaucoup moins bien avec cette égalisation marquée par Cartier avec l'aide d'un rebond qui trompe Baratelli. Et en fin de match, dans les 10 dernières minutes, Jacques donne l'avantage à Nancy, 3-2. Et Zaoui va marquer un 4e but, servi par Jacques, 4-2 pour Nancy, devant le Paris Saint-Germain. Difficile début pour l'équipe parisienne.